Avant de commencer, je voudrais vous préciser que toutes mes recettes sont réduites en matière grasse, en sel et en sucre tant que cela est possible pour la faisabilité des recettes. Ensemble, pour notre santé, réduisons notre consommation de gras, de sel et de sucre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ma recette de la flemme? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire ma recette de la flemme des pâtes au lardon et à la crème fraîche. Une recette très simple et très rapide de réalisation. Pour commencer, faites cuire vos pâtes. Épluchez, lavez et découpez en fines lamelles vos oignons. Et débarrassez dans l'assiette. Car on va commencer par faire cuire nos lardons et se servir de leur gras pour faire revenir nos oignons. Et ciselez la ciboulette ou le persil. Commencez par faire revenir les lardons, sans ajouter de matière grasse. Vous pouvez remplacer les lardons par une autre viande ou poisson. Lorsque vous obtenez une belle coloration, ajoutez les oignons à suer, baissez le feu et quand ils commencent à devenir translucides et légèrement colorés, ajoutez 3 à 4 cuillères à soupe de crème fraîche de votre choix, c'est-à-dire entière ou légère, et du fromage râpé de votre choix. Ajustez les quantités selon la quantité de vos pâtes et surtout vos envies. Égouttez les pâtes et ajoutez-les dans la préparation et faire cuire 1 à 2 minutes ensemble pour qu'ils s'imprègnent de la sauce. En fin de cuisson, ajoutez un peu de ciboulette ou de persil et salez et poivrez si nécessaire car les lardons sont déjà très salés et nos pâtes aussi. Et voilà! Notre recette de la flemme est prête. Bonne dégustation! Abonne-toi, like, commente et partage un max.